vrais parents, m'en sait l'histoire. Elle n'habitait pas dans un manoir, mais un F2 comme un couloir, au 32 rue Saint-Grégoire. D'accord, j'avoue, mais on était peinards, dans sa vieille chambre sur le boulevard, où y'avait rien que nous et la lueur des phares. Elle n'habitait pas un palace, sa cuisine était dégueulasse, mais son chez elle fut son chez moi. Les soirs où mon âme avait froid, les soirs où mon âme avait froid, on ranimait comme un vent chaud l'hiver qui nous courbait le dos. On insufflait dans nos poumons un air chargé de passion. Je jouais le rôle du gars mystérieux, elle de la fille décomplexée, qui vous dit d'un air très sérieux qu'elle a très envie de baiser. C'est sous la peinture décrépite de sa petite piole d'ermite, dans un pyjama à fleurs, que m'attendait le bonheur, que m'attendait le bonheur. Elle avait toujours du café et des fringues faciles à enlever. Il y avait toujours son lit d'effet sur lequel on pouvait rouler. On a fait passer dans nos sangs des tonnes d'adrénaline que l'on chipait discrètement comme de dessert à la cantine. On a vécu, peut-être à tort, nos vicieux amours complices, comme si naître mourir encore pour nous n'était qu'un caprice. On a conjuré tous les sorts, échappé à tous les supplices. Pour nous le monde n'est qu'un décor où se cachent mille délices, où se cachent mille délices. Elle avait toujours du café et des fringues faciles à enlever. Il y avait toujours son lit d'effet sur lequel on pouvait rêver. On a vécu de belles galères, atténué un peu nos colères. On a survécu à nos peurs et toujours avec bonne humeur. Comment pourrais-je t'en vouloir, toi qui m'as tout donné, ton amour, ton corps et toute ta beauté. Quand je repasse sur le boulevard, je jette un œil à ta fenêtre, en espérant sûrement t'y voir, en espérant sûrement y être, en espérant sûrement y être. Elle avait toujours du café et des fringues faciles à enlever. Il y avait toujours son lit d'effet sur lequel on pouvait s'aimer.